Putain, j'ai encore un message. Non, pas pendant les vidéos, voyons. J'ai pas compris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un chit-chat make-up. Je ne fais que des vidéos où je parle en ce moment, où je vous raconte ma vie, parce que c'est vraiment les vidéos les plus simples à tourner. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Ça fait pourtant 1 heure, je pense, que je suis réveillée et j'ai encore la voix du matin, donc désolée. Et en plus, j'ai passé une si bonne nuit que j'ai des traces partout sur le corps. Je sais pas si on verra, mais j'en ai même sur le bras. J'ai littéralement la trace de mes draps. Donc bon, voilà, je pense que j'ai trop bien dormi pour retrouver ma voix normale. Enfin bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont je vous ai jamais parlé. Puisque c'est un peu ma vie personnelle, on va dire. Je vais vous parler de ma vie sentimentale, parce qu'en soi, il n'y a rien de tellement privé dans ma vie sentimentale, puisqu'il ne se passe pas non plus un milliard de choses. Et comme il y a un petit peu des trucs que j'ai mis dans mes livres, je trouvais que c'était un petit peu intéressant de vous en parler. Donc voilà, on va en parler tranquillement. Je me coiffe parce que j'ai même pas eu le temps de me peigner les cheveux ce matin. Donc désolée. Bref, alors je vais me maquiller. Je sais pas encore comment je vais me maquiller. J'ai pas envie de faire le même make-up que d'habitude, mais on va bien voir. Ok. Alors déjà, je vais commencer par l'antiséant. Je sais pas pourquoi. Je suis d'humeur à commencer par l'antiséant cette fois-ci. Donc on va commencer par là. Mais j'ai pleuré ou quoi? J'ai des larmes, c'est pas normal ça. Oh là là. J'ai une coupe de merde par contre, mais c'est parce que je commence à avoir les cheveux gras. Ça vous intéresse? Très peu, je pense. Là, ça devient grave parce que YouTube, ça devient... Attendez, je vais fermer ma porte parce que là, c'est... On en a marre. Je disais donc que ça devient grave parce que YouTube, ça devient un peu mon journal intime là. Je raconte absolument toute ma vie, je suis pas sûre. Vas-y, j'ai des trucs bizarres sur le visage. Ça va, j'ai pas trop les yeux bouffis parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pleuré hier de la journée. Vraiment, trop bien. Pourtant, j'ai pas passé forcément une super journée, mais bon, ça a été, franchement. Bref, pour en revenir à ce que je disais, là, YouTube, c'est vraiment mon journal intime. Je vous raconte un petit peu toute ma vie. Mais parce que, bah voilà, j'ai que ça à faire. Je ne fais rien d'autre en ce moment, donc autant vous raconter ce qui se passe actuellement. D'autant que si j'ai rien à dire alors que je fais 2 vidéos par semaine, bon, voilà, hein, je trouve des sujets, écoutez, si ça vous intéresse pas, c'est pas très grave. Enfin bref, du coup, pour en revenir à ma vie sentimentale, déjà, ce soir, normalement, je vois mon crush. Et ouais, en vrai, je vous avouerai que maintenant, je vis un peu au jour le jour. Donc, je fais pareil dans mes relations. Donc... J'avoue que je préfère les relations sérieuses, je trouve que ça a plus d'intérêt. Mais si jamais il y a un truc à tenter avec quelqu'un, moi je tente. Moi je suis là, on fait des crash tests, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ce qui est de ça. Alors, attendez, j'en mets sur le menton aussi parce que là, des boutons, la gonze. Comment je parle trop mal, putain. Bref, je laisse un peu sécher parce que là, il y a du boulot quoi. Je me trouve un peu drôle aujourd'hui. C'est peut-être le réveil, je sais pas. Bref, du coup, je suis ridicule avec ça, non? Pour en revenir à ce que je disais, sous ma dernière vidéo, ça m'a fait rire parce que quelqu'un a dit que un certain Stan serait l'homme de ma vie. Alors, à propos de ça, j'ai quelque chose à vous raconter. Sachez que... Ma voix est bizarre, non? Sachez que Stan ne vient pas de nulle part. Stan est inspiré de faits réels. Réellement. Déjà, physiquement, j'avoue que il ressemble à quelqu'un, je vous dirai pas qui, mais il ressemble grave à quelqu'un. Après, c'est juste dans mes pensées, donc on s'en fout. Mais par contre, dans sa façon de se comporter, il ressemble à mon ex. Voilà, je voulais pas vous en parler, à vrai dire, mais... Je vous en parle quand même. À chaque fois que je veux pas vous parler d'un truc, je finis quand même par le faire. Donc franchement, on n'est plus à ça près. Mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire. En gros, pendant, je dirais peut-être 2 ans, un truc comme ça, je suis sortie avec un mec
Voilà. Je sais pas si ça fait. Ah, si, peut-être 2 ans. Parce qu'en fait, il faisait que de me quitter, de se remettre avec moi. Bon, bref, j'étais un peu la boulosse. Mais c'est pas grave, on s'y fait. Et du coup, il y a eu mon recours aussi. Ah, il est là. Du coup, en fait, il est. Pourquoi il est inspiré de. Pourquoi Stan est inspiré de lui? C'est surtout dans le comportement violent, on va dire. Puisque, bon, c'est pas un gros spoil, mais Stan est assez violent envers Zoé. Il est un petit peu maboule, ce gars, mais bon. On l'aime bien quand même, Stan. Hein. Je vous jure que j'apprécie ce personnage alors que c'est le plus gros des connards. Hein. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Vous voyez? Bref, pour en revenir à mon histoire là, du coup, cette ex. J'aurais dû laisser mon miroir en fait. Ok. Eh bien, au début de la relation, tout allait bien. Franchement, j'ai pas mytho, tout était nickel, mis à part son ex, qui n'arrêtait pas de me dire arrête de sortir avec lui. Moi, tu me donnes des ordres. Ça va pas ou quoi? Du coup, voilà. Et puis, il a fini par être violent dans ses paroles. Alors, franchement, je vais pas vous mytho, il a jamais été violent physiquement envers moi, mais je pense qu'il aurait pu le devenir. Donc, bon. On ne sait pas, mais en tout cas, ça n'est jamais arrivé. Mais en tout cas, mais vas-y, arrête de répéter les mêmes mots là. Du coup, il était violent dans ses paroles, genre il m'insultait tout le temps. Vraiment, c'était dès qu'il avait un problème de colère, et bah, il fallait que ça tombe sur moi. Donc, je m'en prenais plein la gueule. Il était extrêmement jaloux, donc pareil de ce côté-là, bah, je me prenais tout dans les dents, je parlais à plus personne. J'ai eu le malheur une fois d'avoir un ami garçon. Waouh! Non, 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 faites pas ça, faites pas ça. Non, en vrai, c'est pas normal ce genre de comportement. Donc, si vous sortez avec des gens comme ça, quittez-les. Enfin, je dis ça, mais en vrai, même moi, j'osais pas le quitter. Aïe! Je me suis pincé la paupière, ça fait mal. Mais du coup, comment ça s'est terminé cette histoire? Ah oui, si, non, truc! Faut que je vous raconte un truc. Truc assez drôle. C'est que. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon livre parce que je trouvais ça hyper fun. C'est que quand il m'insultait, parfois il l'oubliait. Genre pour lui, c'était OK, on est ensemble, tranquille, j'ai rien fait. Et du coup, quand je lui faisais la gueule pour ça, il disait mais qui te l'a dit? Genre d'accord, j'ai dit ça, mais je m'en rappelle pas de à qui je l'ai dit. Bah c'était à moi. Donc voilà, forcément que je m'en souviens. Et du coup, bah à chaque fois, il s'excusait. Mais en fait, c'est ça le problème des gens comme ça. C'est que vous avez beau être énervé contre eux, ils s'excusent à chaque fois. Parfois de façon très mignonne en plus. Donc, vous les pardonnez à chaque fois. Et comment ça s'est terminé tout ça? Eh bien, il m'a insulté pour la millième fois, je pense. Et il m'a bloqué. Et depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et je pense que ce n'est pas plus mal. Mais voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Et voilà quoi, c'est à peu près tout pour lui. Mais par contre, c'est vrai que, à cause ou grâce, je ne sais pas, de cette histoire, j'arrive à comprendre les méchants dans mes livres. C'est-à-dire que Stan, vraiment, il est horrible. Mais j'arrive tellement à avoir de l'empathie envers lui que vraiment, je peux pas comprendre ses comportements, mais je peux concevoir qu'il aille mal. Et qu'il soit complètement crazy. Donc voilà, vraiment, voilà pour la petite anecdote de pourquoi ce livre me tient tant à cœur. C'est parce que, bah, vous voyez quoi. Bref, sinon, autre truc qui s'est passé dans ma vie sentimentale, c'est un peu le but de cette vidéo, je sais pas, je sais pas. En vrai. Je vais reparler de ça parce que on m'a beaucoup jugée. On m'a dit oui, mais t'es idiote d'être restée avec lui et tout. Alors oui, peut-être, d'accord. Je conçois qu'on trouve ça bizarre. Mais en même temps, bah déjà j'étais plus jeune, donc quand même. Et puis c'était un peu my first love, donc forcément, quand vous avez une première relation, vous n'avez pas tellement de quoi comparer avec une autre, donc tout vous paraît normal, on va dire. Après, il y avait d'autres trucs vraiment un petit peu plus hard, mais ça, je vais pas en parler parce que vraiment, j'ai pas envie d'inquiéter mes proches. C'est du passé, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Donc voilà pour ça. Bref, on va passer à autre chose.
Mais si, il se recourt pas bien, je... Pff, ça m'énerve. Oh là là. Je chouine pour rien, mais bon. C'est pas... J'ai une larme. Pourquoi j'ai une larme? On m'explique ou pas? Ok, c'est bon, j'ai plus de larmes. Il y a un truc qui est tombé du ciel ou... Eh vas-y, je suis parano, moi. Ok, ça fait combien de temps que j'enregistre là, juste pour savoir? 10 minutes? Putain, j'ai mis 10 minutes à vous raconter ça. C'était un peu long, non? Ok, on va passer au liner, j'ai un peu peur. Ah non, je vais pas faire du liner. Je vais mettre du fard à paupières. Ah, je sais pas. Vas-y, on va voir. Qu'est-ce que j'ai comme petite couleur là-dedans? On sort la plaquette. Ouais, d'accord. C'est bon, j'ai trouvé mon pinceau. Quelle couleur je mets? Je mets du bleu. J'ai l'ok, non? Je sais pas. Ok. C'est le cas de le dire. Du coup, pour en revenir un petit peu au sinon à tout le reste, en vrai, mis à part ça, j'ai pas eu tellement de mauvaises expériences en amour, on va dire. Moi, je suis un peu une amoureuse de l'amour. C'est-à-dire que je suis obligée de mettre des histoires d'amour partout. Genre dans mes livres, il n'y a pas un seul livre où j'en mets pas. Et avant, je pensais même ne pas apprécier la romance parce que je me voilais un peu la face. Je me suis dit non, c'est un peu cliché d'adorer l'amour. Mais j'aime bien l'amour. Excusez-moi, mais voilà, c'est bien quand les gens s'aiment. Je trouve ça mignon. Donc voilà. Je mets la blinde de bleu. Ça va être ignoble, mais c'est pas grave. Hop là. Hop là. Il n'y en a pas assez. Et là, il y en a assez ou pas? Ok. On va dire qu'il y en a assez, sinon je vais jamais me calmer. J'ai pas envie de passer au liner. Je vais faire les sourcils d'abord. Bref, j'ai du mal avec ces vidéos hein, quand je fais deux choses en même temps. C'est vraiment compliqué. Mais du coup, après ça, bah, en fait, je vous avouerai que moi, j'avoue que j'étais un peu dans le cliché de c'est toujours aux autres de venir vers moi, machin. Mais en vrai, même pas que en amour, hein. J'attendais toujours que les autres viennent vers moi. Sauf il y a, je sais plus, il y a quelques années peut-être. J'ai fait le premier pas. Et ça s'est mal fini. Je suis tombée sur un mec qui était homophobe. Horrible, on veut pas de ça, nous. Donc je vous avouerai que ça m'a un petit peu calmée. Et depuis ce truc-là, je ne prends plus les devants. Vraiment, je m'en fous. Les gens, ils viennent vers moi s'ils veulent. Et du coup, bah, ça facilite pas la tâche, hein, forcément. Non! Vous voyez ce que j'ai fait? Non, c'est horrible. Oh putain, je suis trop con. Non. Oh là là. Putain. Je me suis foutu du marron, quoi. Ça va jamais partir. Je suis trop nulle. Oh. Vous voyez quand j'essaie de faire une vidéo make-up, ce que ça donne? Bon. En vrai, si je fais cette vidéo make-up, c'est juste pour gagner du temps. Hein. Je vous avouerai que bon. Voilà. Hein. Sinon, je pourrais jamais vous faire deux vidéos par semaine hein, si je fais pas deux choses en même temps. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai l'air de bien tenir. Bon, ça fait 2 semaines que je le fais, j'avoue. Mais quand même, j'arrive à faire deux vidéos par semaine alors que je suis occupée. Je trouve ça quand même pas mal. Mais je suis. Ouais, vas-y, je vois pas bien ou quoi? Il y a encore des taches marron, c'est dégueulasse. Bah voilà, bah voilà, bah voilà. J'en ai marre. Ok, c'est bon, il n'y a plus de taches marron. Hop là, on referme ce truc-là. Bref, pour en revenir à mon histoire, là, je pars dans tous les sens, moi je suis horrible. Et bien du coup, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, et c'est peut-être pour ça que les garçons m'approchent moins. C'est que je suis assez solitaire et tout, et bah, quand quelqu'un m'approche, franchement, je suis en mode ok. Mais s'il y a un truc à tenter, on n'oublie pas, je tente. Voilà. Moi, je suis comme ça, hein. Ah, mais celui-là, il est grave mieux comme miroir. En fait, j'ai deux miroirs, et le miroir de ma palette est beaucoup plus net. Mais je vais grave me maquiller avec le miroir de ma palette. Bah, attends. Quand même. Mais. J'arrive pas, c'est quoi ce nez? J'arrive pas. Attendez. Je fais mon trait. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo au montage. J'ai un peu peur, à vrai dire. Parce que j'ai l'impression de ne rien raconter d'intéressant. J'ai fait n'importe quoi, on est d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a une espèce de petite pointe de merde.
Ok, c'est bon. En fait, celui-là, il est le plus proche. C'est ça le truc. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie sentimentale? En vrai, j'ai pas eu tant de d'expérience que ça, on va dire. Enfin, j'abuse un peu, hein. En vrai, ça va, mais. Oh là là, ça m'énerve. Ok. Et aussi, un truc dont il faut parler, c'est pourquoi vous demandez à chaque fois au repas de famille, alors les amours? Moi, les amours, ça dit rien. Franchement, s'il y a personne qui m'approche, moi, ça me dit. Ça me dit. Ça dit rien. Donc, voilà. C'est pas la peine de me demander. Moi, il n'y a jamais rien qui se passe, sinon. À part en ce moment. J'avoue. J'avoue, en ce moment, c'est plutôt cool. Ah oui, et puis en fait, j'avoue que c'est pas très malin. Les gens, ils croient que je suis déjà en couple. Alors, je peux comprendre hein, que je suis très jolie, voilà. Mais non. Du moins, pas encore. Mais en fait, c'est juste que je mets tout le temps des fleurs dans mes stories. Tout le temps. J'en ai mis deux fois, j'abuse. Hein. Je mets des fleurs dans mes stories. Mais j'ai fait n'importe quoi au niveau du line. Vas-y, je le fais pas. Je le fais à la fin. C'est pas grave, je resterai comme ça. Du coup, je mets tout le temps des fleurs dans mes stories. J'ai mis des roses pour la Saint-Valentin. Et j'ai mis des tulipes récemment. Et du coup, les gens, ils croient que c'est quelqu'un qui me les a offertes. Je vais vous dire qui c'est qui me les a offertes. Eh bien, c'est moi. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cette phrase est tellement vraie que moi, je la respecte sur tous les points. Je m'achète tout le temps des cadeaux. Surtout des fleurs parce que ça me fait plaisir. Et pour la Saint-Valentin, d'autant plus, vraiment, je suis ma propre amoureuse. Je ne vois pas où est le problème. Je me kiffe à ce point. Mais ouais, non, je sais pas pourquoi les gens se laissent aller comme ça, s'offrent pas des petits trucs à eux-mêmes. Moi, je m'offre plein de choses et c'est trop cool. J'avoue que j'ai un petit peu arrêté avec les livres parce que j'abusais. Hein, faut pas déconner. J'avais 160 euros de livres, d'achat de livres l'an dernier. Ça vous dit quelque chose ou. Non, je vous jure que c'est vrai. Hein. Là, je me suis dit, non, Clara, tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas mettre 160 balles dans des putains de livres. D'accord, c'est génial les livres, mais tu les lis pas tous. Et puis en plus, franchement, je vais vous dire, n'achetez pas trop de livres à la fois, surtout quand c'est des sorties hyper cool, parce que après, ça se trouve, ça vous dira plus. Genre, vous aurez plus envie de les lire. C'est ce qui m'arrive avec beaucoup trop de livres. Et mon côté tellement cher que j'ai pas envie de les donner ou faire je ne sais quoi. Je les lis avant. Donc, bon. Il reste à prendre la poussière dans mes bibliothèques. Vraiment, j'ai l'air d'une débile avec mon moitié de liner là. Mais c'est pas grave. Voilà, je finis cette vidéo complètement moche, mais c'est pas grave. Vous ne m'en voudrez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!